Meghan Markle, elle porte une main de Fatma que vous n'aviez pas vue. Ce 18 décembre, à quelques jours de Noël, la duchesse de Sussex, Meghan Markle s'est rendue à Twickenham pour soutenir une œuvre de bienfaisance. Et un bijou qu'elle portait a particulièrement attiré l'attention de ses fans. La bague de fiançailles à trois pierres que lui a offert le prince Harry est à couper le souffle, mais c'est un autre bijou qui a tapé à l'œil des fans de Meghan Markle, la semaine dernière. Une main de Fatma. En déplacement officiel, le 18 décembre dernier, l'ex-actrice de Suits a encore pris quelques libertés sur le protocole. Ce mardi-là, la duchesse de Sussex portait à la main droite une bague en or de la marque turque Kismet by Milka, à $300. Le bijou, représentant le contour d'une main de Fatma, Kamsa, était serti d'un œil avec un saphir bleu. Dans les croyances populaires en Afrique du Nord, c'est un symbole qui apporte chance, bonheur et santé à celui ou celle qui le porte. Et Meghan Markle en a bien besoin, en ce moment. Elle qui est enceinte de son premier enfant fait face à une grogne sans précédent dans les tabloïdes. Les rumeurs la disent capricieuse et manipulatrice, en froid avec la famille royale. Cette paume de main ouverte est censée la débarrasser du mauvais œil. Une sorte de malédiction jetée sur elle par quelqu'un qui le souhaite du mal. Et on imagine bien qui aurait pu faire ça. Meghan Markle harcelée par sa sœur. Depuis des mois, sa demi-sœur Samantha Grant ne cesse de la harceler. Elle qui l'accuse de laisser mourir leur père, Thomas Markle, n'a pas l'air de vouloir du bien à la duchesse de Sussex. Et c'est parti pour durer.